Capucine Anaf s'est attiré les foudres des internautes à cause d'une story publiée sur Snapchat. Lors d'un placement de produit, elle a eu quelques mots inappropriés. Un nouveau bad buzz pour Capucine Anaf. Sur les réseaux sociaux, la jeune candidate de télé-réalité a déclenché la colère des internautes. L'objet de la colère. Un placement de produit réalisé par l'ancienne participante au jeu de TF1 « Je suis une célébrité, sortez-moi de là » sur son compte Snapchat. Capucine Anaf devait vanter les bienfaits d'un produit pour les cheveux à base d'huile d'argan. Si le début de la présentation se passe sans accroc, la compagne d'Alain Fabien Delon dérape rapidement dans sa story. Donc ça c'est trop bien pour les cheveux qui sont vraiment secs au bout, qui sont vraiment un peu crépus, commence Capucine Anaf. Avant d'ajouter, un peu comme un balai à chiottes, pardon de l'expression. Une comparaison qui a, sans surprise, déplu à de très nombreux internautes. Une expression qui a rapidement provoqué la colère des tweetos qui ont largement égratigné la jeune femme. Pour tenter d'éteindre l'incendie, elle a publié un nouveau message. Je vais peser mes mots, parce que sinon ça va encore faire polémique. Vous êtes là à dire on est trop fiers de nos cheveux. T'as un problème avec nos cheveux. En fait non, vous n'êtes pas très fiers sinon vous ne perdriez pas votre temps à écrire ce genre de commentaires. Justement vous êtes en train de vous afficher en fait, justement on dirait que vous n'assumez pas et que vous avez limite honte, n'écrivez pas ce genre de commentaires. Une réponse maladroite qui n'a pas calmé les internautes. Loin de la pointe face à l'ampleur de la polémique, l'ancienne chroniqueuse de TPMP a une dernière fois pris son téléphone pour s'excuser et clore le bad buzz. Je peux comprendre, en re-regardant ça peut être très mal interprété. Je me suis mal exprimée. Alors je tiens à m'excuser, car je ne voulais blesser personne. Quand j'ai dit les cheveux crépus, c'est pas du tout le message que je voulais faire passer concernant les cheveux des personnes métisses. Au contraire, je trouve ça sublime, magnifique. Ne le prenez pas personnellement. Je voulais juste dire les cheveux très secs. Excusez-moi, sincèrement.